Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode du Dissident World et c'est parti, le petit F5, le petit F1. Aujourd'hui, ça va être exploration, les amis, exploration. Je suis dans mon biome, le biome marais, où j'ai la petite maison et le bateau là. Ils vont peut-être disparaître, petite maison et le bateau. Je ne sais pas encore. Nous allons voir, ou peut-être pas. De toute façon, je vais vous faire Diamond City. Je suis en train de regarder pour le reconstruire. Et ça restera peut-être. Ouais, là-bas, un village de pillards. On le continuera petit à petit. Enfin, Bast, on va faire exploration. On va piocher presque morte. J'en ai deux autres. Solidité 3, simplement. Hein. Petits enchantements. Et on va descendre. Alors, je suis dans mon biome marais. Et j'ai trouvé un mine shaft. Alors, est-ce que je vais réussir à le retrouver, le mineshaft? Vous entendez qu'il y a pas mal de mobs. Voilà, on va prendre des petits... Il y a pas mal de mobs. Est-ce que nous allons retrouver le mineshaft? Oui, il est juste en bas. Alors, attendez, j'ai mis de ce côté-là. Ça serait bien que j'ai un peu d'éclairage. Là, quand je vais prendre le lapis, les amis, on va être au cœur du problème. C'est pour ça que je veux prendre un petit peu ce qu'il y a avant. Il faudrait que je me mette à pêcher pour essayer d'avoir des raccommodages pour mon armure. Ah, que ça serait con d'avoir trouvé tout ce diamant pour voir l'armure finalement se détruire. Comme la pioche vient de faire. Hop là, voilà, nous sommes au cœur du problème. Et nous allons explorer, les amis. Petite exploration et recherche de ressources. Voilà. En discutant, tenez. Par exemple, de l'avenir de Dissident World, vous savez que j'ai quand même failli arrêter la série. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, maintenant oui. Hein. Si vous ne le saviez pas, maintenant oui. Je ne vais pas l'arrêter, du moins pas tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou. Et j'essaye là de reprendre, hein, c'est pas évident. Mais j'ai eu un petit coup de mou parce que, bah écoutez... souvent seul, sur un serveur multi. Ah, mon ami. Hop là. Heureusement, ici, les creepers ne font mal qu'aux joueurs. Hop là. Donc oui, c'est un serveur multi et je suis souvent seul, donc pour un serveur multi, c'est pas jouasse. Donc j'ai eu un petit coup de mou, mais écoutez, ça se reprend petit à petit. Ceux qui veulent jouer viennent jouer, ceux qui veulent pas ne viennent pas jouer. Alors je n'invite que les gens que je connais vraiment. Hein. C'est pas un serveur multi pour tous, c'est un serveur où je joue entre amis. Hop là. Tac. Alors les quatre ne sont pas sur le serveur parce qu'ils ne le veulent pas.
Ils ont leur serveur et Ragna et ça leur suffit, donc. Pour ceux qui demanderaient, hein. Ah mais tu joues entre amis, mais les quatre, ils sont pas. Mais ils veulent pas! Et ils ont raison, attention. C'est pas évident de tenir plusieurs serveurs, je le sais en connaissance de cause, hein, parce que j'ai donc Dissident World que je gère en plus, hein, puisque j'en suis le propriétaire. J'ai Ragnablock de MLDEG et j'ai le Clint World. Et je fais passer Ragnablock et le Clint World avant mon propre serveur. Pourquoi? Parce que j'ai des projets concrets sur ces deux serveurs. Puisque sur Ragnablock, j'ai le projet les vacances. Voilà, les vacances, mais avec. Voilà, je fais une île avec des bateaux. Et puis surtout aussi les fous volants, hein, les montgolfières, les zeppelins. C'était un des seuls véhicules auxquels je ne m'étais pas frotté. Les montgolfières, j'en avais fait quelques-unes, mais j'avais envie de faire un petit peu plus. Donc voilà. Et Ragnablock, et ben voilà, ça me permet de faire ce petit projet-là, bien sympathique. Comment on va remonter là? Un peu dans la. Vous ne seriez pas dans la merde par hasard? Si, madame la comtesse. Hop là. Ah oui, prends du fer avec un seau d'eau. Tu as raison. Donc, voilà, il y a la nouvelle série aussi qui est arrivée, What Remains of Edith Finch. Je suis enfin arrivé à dire le titre, dites donc. Pendant tout le long de la série, vous allez voir que j'arrive pas à le dire, hein, le titre. Hein, c'est catastrophique. Là, j'y arrive. Après la série, j'y arrive. C'est pas mal. Et ensuite, nous partirons pour une série Sims sur Strangerville. Enfin, d'abord la carrière militaire, mais c'est pas présenté comme bonjour, nous sommes sur une série, donc. Nous allons faire ça. J'essaye, je dis bien j'essaye, c'est un essai, hein, de le faire en roleplay comme si je racontais ma propre histoire. Pas en étant Fred Laolès, hein, j'ai créé un personnage et je joue ce personnage, voilà, tout simplement. Et j'espère que ça vous plaira, quoi. Alors j'entends déjà les ouais, mais t'avais déjà créé des séries Sims, tu t'y es pas tenu. Celle-là, je m'y tiendrai, les amis. J'ai certes un peu plus appris, on va dire, à jouer aux Sims. Notamment avec les points où on peut avoir des trucs comme vessie d'acier pour aller moins aux toilettes et autres, qui est plus plaisant à jouer. Comme ça. Et donc voilà, mais j'avais fait la présentation de mon personnage Jack Murdock.
Donc voilà, il y aura pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y aura évidemment une playlist spéciale Sims 4 Strangerville, je crois que je l'ai même créée, où il n'y a que le premier, enfin c'est même pas un premier épisode, c'est la présentation du perso avec lequel je vais jouer. Je pense que je vais me faire embêter. Oh! C'était un chevalier. Un preux chevalier qui est venu chercher fortune dans ce main shaft, enfin dans les grottes hein, pour le moment, parce que le main shaft, on l'a un peu. Il est un peu parti à la ramasse. Je suis étonné parce que j'ai pas tant de creepers que ça. Est-ce que je dois m'en réjouir ou est-ce que je dois m'en inquiéter? Hop là, donc oui, je vous ai fait la présentation de celui avec lequel j'allais jouer, Jack Murdoch. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaira, cette petite série. Donc, je ne suis pas un professionnel du jeu RP où je raconte l'histoire comme si j'y étais. Donc, ça sera pas parfait non plus. Ça sera pas. C'est un essai, les amis. C'est un essai. Mais si ça plaît, je réitérerai. Pourquoi pas? Ça peut être assez sympathique. Et puis voilà, faut bien commencer à un moment donné et faire des couacs. Et puis, bah, quand on garde ces couacs, c'est comme le bateau que j'ai fait à la surface, hein, là, sur le Burm. Hein. Pareil, hein, il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. C'est le tout premier bateau que je fais de moi-même. C'est pas toi que je visais, mon ami. Tu crois que je l'ai pas vu, l'autre? Regarde, tu crois que je l'avais pas vu de loin? Donc oui, comme je disais, il faut bien essayer. C'est comme le bateau que j'ai fait qui a un peu raté dans mon biome. J'ai essayé, il reste là en témoignage de mon essai. Je disais que j'allais peut-être les enlever et tout, mais je pense pas. Ah! Je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de creeper. L'embuscade, les amis. L'embuscade, les amis. Alors il faut savoir que le creeper résiste au jour, mais a besoin de la nuit pour spawner. Il ne spawnera pas au jour. Bah ouais, sinon, laisse tomber. Alors, Les mobs spawnent la nuit. Certains résistent le jour, mais ils naissent la nuit. Je sais que t'es montée, ma petite. Et les araignées sont amicales le jour et changent de comportement la nuit. Ils spawnent quand il fait moins 8. Enfin, pas en degrés, hein, en light. Quand la lumière est inférieure à 8, ils spawnent. Moi, pour une lumière minimum, c'est 9, hein, personnellement pour moi.
Si la lumière est à 9, ça va. Si la lumière est à 8, je remets un petit coup de lumière parce que pour moi, ça devient dangereux. J'ai pas le data pack pour les têtes de ML. Je lui le demanderai peut-être, tiens. Ça pourrait être sympa. Mais un truc est sûr. Ah, mais c'est pas vrai, ça y est. Vous voyez un petit peu la malédique? Ça y est, je me disais, tiens, je vois pas trop de creepers. Est-ce que je dois m'en inquiéter ou être rassuré? Eh ben, vaut mieux s'en inquiéter. Reste là, elle. Donc oui, ce qui est sûr, disais-je, c'est que le jeu passera, Dissident World, du moins, le serveur, passera à 1.14. Et comme il va y avoir beaucoup plus de têtes, hein, 1.14, bah, va y avoir le renard de plus, les nouvelles têtes de villageois, les pillards aussi. Ah! Tiens. Les pillards aussi, bah le mob qui les accompagne, là, je ne sais plus comment il l'appelle, qui défonce tout. Oh, il y a bien des agro-grou là, d'un coup. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh, j'ai épine sur mon torne pour les anglophones. Il y a du populo quelque part. Attendez. Ouais, je sais où il y a du populo. Vous voyez? Est-ce que vous voyez, les amis? Merde. J'ai intérêt à bien manger pour que mes curses. Toi, je sens que tu vas me faire une entourloupe. Hop, purée. Salope. Yes. Faut manger pour que les cœurs se régénèrent au fur et à mesure que vous les perdez. Ouah, elle m'a surprise, salope! Ce qui est bien, c'est que ça s'affiche en haut, l'empoisonnement. Vous voyez le petit cadre en haut, en droite. C'est pas possible, il y a un autre spawner, les amis.
C'est un double. Pas possible, autrement. Alors ça, les copains... Non. Il y en a un autre, Mayer. Ça, les copains, à savoir, ça nique les épées de ouf. Hop, on fera le tri plus tard. Il y en a un autre en haut, c'est pas possible. Merci. À un moment donné, tu comptais crever ou... Je regarde, on est à 21, on va pas tarder à se quitter. Je vais juste aller voir en haut s'il y en a un autre. Une fois bien sûr que je serai guéri, on va manger le pain pour... Voilà. Non, ça c'est là de là d'où je viens. Comment on va pouvoir monter? On va monter, les amis. J'aimerais monter sans que cela... ne soit dangereux pour moi. Ah, non. What? I don't know. En dessous, alors? Possible. Possible. On va aller voir en dessous et on mettra fin à cette vidéo. Hop. Désolé, hein, vous m'entendez fredonner. Désolé si ça en dérange certains. Je ne sais pas d'où elles viennent. Les niais-niais. Oh! Mojang a un problème avec tout ce qui est petit, j'ai l'impression. C'est vrai, les hitbox des mini-zombies, je les trouve vachement buggés. Et les araignées aussi, des fois, les araignées bleues. Des fois, c'est pas ça non plus. Hein. On n'aura pas trouvé de diamant, dites donc. Pourtant, à la base, c'est ce que je pensais trouver. Ou tout du moins, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit on va explorer un mineshaft. Alors, est-ce que vous pensez, moi, c'est une réflexion que je me fais à chaque fois, et c'est quelque chose que j'aimerais bien,
Est-ce que vous pensez que Mojang devrait revoir son système de loot? C'est-à-dire que dans les coffres, vous avez vu ce que j'ai eu, quoi, du pain. Ouais, d'accord, mets-moi du pain et tout, mais mets-moi des trucs qui attirent, qui donnent envie. Oh. Tu donnes clairement pas envie, toi, mon ami. Donne-moi des trucs qui me donnent envie, comme du diams, par exemple. Regardez, par exemple, là, bon, un lingot d'or. Allez, mets-moi un lingot d'or. On est d'accord. On va l'échanger contre ça. Les torches, oui, dans une mine, c'est plausible. Graines de betterave, je vais les prendre. Le pain aussi, je le mangerai. Et les rails, on va les prendre. Ça évite d'avoir à en faire. Après, on peut miner aussi les rails qu'il y a par terre. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, certains coffres, peut-être pas tous les coffres. Regardez là-bas. Je pense que c'est là-bas. Il y a un problème là. Non. C'était juste deux ou trois toiles, t'es sûr? C'était juste deux ou trois toiles. Ok. Il devrait mettre des coffres où il y a où ça donne envie. Alors pas tous les coffres, parce que là, ça serait trop. Hein, si on vous donne directement tout, c'est un petit peu too much. Mais savoir qu'il y a un ou deux coffres. Par exemple, hein, pourquoi pas mettre un double coffre? Tiens, t'as trouvé le double coffre. Ou mettre un coffre un peu différent. Tiens, ça serait bien qu'on puisse faire les coffres dans plusieurs bois et qu'ils aient un skin différent. Par exemple. Et ils pourraient jouer sur ça pour dire, bah, dans ce coffre-là, vous aurez du diamant ou des émeraudes, ou voilà quoi. Ça relancerait le goût de courir les mineshafts, même si moi j'adore ça, j'aime bien être en dessous, hein, vous voyez, j'aime bien être... Hop. Bon, Tulbar va mal interpréter le j'aime bien être en dessous. Mais bon, ça a du bon aussi d'être en dessous. Mais bon. Là n'est pas le propos. J'aime bien être dans les grottes. Et donc, moi, personnellement, ça ne me fait rien. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas aller dans les grottes parce que, bah, déjà, farmer, voilà. Et il n'y a pas d'attrait. Il n'y a pas d'autre attrait que, bah voilà, tu pars pas à l'aventure, en fait. Tu pars farmer avec l'envie et peut-être la chance d'avoir du diams, mais tu sais que si tu tombes sur un mineshaft, t'as pas plus de chance que ça d'avoir du diams. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, à mon humble avis, tu devrais, quand tu arrives sur un mineshaft, à mon humble avis, tu devrais pouvoir te dire... Merde, 3, j'en ai pris 4. Ah, elle est là. Je voulais juste refaire des torches. Attendez, voilà. Il me semblait que j'avais attiré un indésirable. Hop, on va essayer de rapidement les faire. Tu devrais te dire, je suis dans un mineshaft, j'ai donc plus de chance. Oh! Je suis dans un mineshaft, j'ai donc plus de chance de...
d'avoir du diamant, alors que là, non. Ou une sorte de coffre au trésor. Tiens, un truc que j'aimais bien, c'est une saloperie par contre, que j'aimais bien quand j'ai fait un petit peu de modé, c'était les mimiques. Vous savez, les coffres qui peuvent être vivants. Et ça rajoutait aussi un petit peu de challenge. Regardez qui c'est qui vient. Mais là, je peux me mettre à couvert. Ah, regardez là-bas. On a combien? À 30, on se le fait celui-là. Et ah oh, on a plus le choix. Et merde, touché. C'est énervant quand tu bats 25 000 fois l'air alors que tu sais très bien que tu l'as. Le. Rapide à faire, celui-là. Wow! Salope! Connasse! Oh, comme elle m'a surpris! Double, les amis. Je prédis un double. Je ne suis pas Nostradamus. En quelque sorte, il y a un double. Ils ne sont pas à côté, mais regardez. Regardez. Aïe! Salope! Elle est venue me bouffer le cul! Désolé pour les salopes et autres vilainetés. Je vais un peu battre en retraite. Au secours! Qui a dit qu'il se passait rien sur Decident World? Non, je sais, vous le dites pas. Je suis taquin. Nom de Dieu. Bordel de merde. Non mais what, c'est le festival. Mais regardez-moi ça! Suis mort, les amis! Je suis mort, les amis! What? Il m'a balancé dedans, cet enfoiré de mes deux. Désolé pour les gros mots, mais là, il fallait que j'évacue. C'est pas grave, les amis, ça permet de vider et de se dire au revoir, parce que sinon, j'aurais jamais eu le courage de vous laisser. C'est comme ça. On y retournera, on y retournera, on y retournera. Peut-être pas dans le prochain épisode parce que je vais tout faire pour essayer de commencer la Diamond City. On verra ce qu'on fera dans le prochain épisode.
En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye. Ah.